Ah, mais quel abruti je fais, j'ai oublié d'ouvrir mon micro. Comme un samedi matin, tout va bien. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Oui, donc je disais dans le vide que... Oui, ça me manquait de pas entendre ma voix en retour. Et t'en rigoles, feu de fan. Canaillou, bonjour, j'espère que tu vas bien. Oui, je disais que si je vous semble mou, surtout aujourd'hui, c'est normal. J'ai cumulé de la fatigue. Et du coup, je suis... Je suis un peu pâteau, mais je suis là, vous inquiétez pas, la journée va se dérouler normalement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, c'est pas dramatique, fan. Non, il vaut mieux, honnêtement, que je sois juste fatigué et que je puisse prendre mon antenne normalement que d'être malade. Ça, c'est ma hantise. Et je me souviens, il y a un hiver, il y a un an et demi de ça... je sais plus ce que j'avais chopé comme cochonnerie, une gastro ou je sais plus quoi. J'avais commencé un jeu japonais à la noix là, qui était je sais plus quoi son nom, Septunia. Peut-être que je vous le referai un jour d'ailleurs, sur la PS3. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'au bout de 3 quarts d'heure je me sentais pas bien, je coupe tout, j'étais blanc, j'étais livide. Et quand j'avais coupé la caméra, je m'étais mis à dormir. Mais j'ai fait deux grosses nuits de sommeil de suite, c'est-à-dire que sur un rayon de 24 heures, j'en ai passé 20 à dormir. C'est-à-dire à quel point mon organisme était mort. Ça arrive rarement, mais quand je suis claqué mort. Donc là, ça va, vous en faites pas. Oui, donc je disais, je vais faire du Starbound dans à peine une demi-heure avec Petit Seb. On s'est contacté rapidement sur Discord tout à l'heure. Moi je me mets un petit peu à jour dans The Elder Scrolls Online parce que comme je l'avais découvert, il y a des trucs alors addictifs, moi j'adhère pas forcément, mais par politesse j'ai peur qu'on m'envoie des trucs en privé, et la preuve là je viens d'accepter Arsenos comme mamie, j'ai peur qu'on m'envoie des trucs et comme c'est limité dans le temps, il faut réagir dans le mois, comme j'ai peur d'oublier de mettre un vent ou de zapper un truc. Bah voilà, je pointe rapidement comme j'en ai l'occasion. Voili voilou. Mais véritablement une longue journée téso, je sais pas quand est-ce que j'en ferai. Peut-être que ce sera le 15 août qui sera férié. Peut-être. Je parle au conditionnel. Comme c'est un jeu communautaire. À voir. Ce sera peut-être autre chose, je sais pas. Alors, mon inventaire qui est au taquet, mais sans emplacement sont... Est-ce que je me débarrasse d'un truc? Est-ce que je peux aller voir un vendeur pour avoir une pièce sonnante et trébuchante à la place de quelques objets qui m'encombrent? Voyez? C'était ça la question. La question intérieure qui me hante. Elle est impressionnante la musique. Oh là là là, le boulot qu'ils ont fait. Vous voyez, pardon, mais je pense une nouvelle fois à Feu mon papa, qui était un grand amoureux de musique classique. Alors ça fait musique de chambre, là. Mais j'aurais adoré lui faire entendre ça et connaître son point de vue. Mais bon, comme il a deux petites ailes dans le dos, là, ça va être un peu difficile de lui poser la question. Et là, je sors une planche de Ouija. Oh non. Oh mon Dieu. N'importe quoi. Ah là là. Ah oui, j'ai des runes. Je vais pouvoir me spécialiser dans les enchantements aussi, ça me plaît beaucoup. Parchemin d'expérience à couronne. Alors, toutes les sources vous apportent 50% de points d'expérience. Ah oui, pendant 2 heures, non, ça faut que je garde pour plus tard quand je ferai une longue session de jeu. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Excusez-moi si je loue, je vous attends. Des teintures de santé, c'est quoi ce truc? Ah, c'est une potion de santé qui dit pas son nom. D'accord. Ah, c'est moi qui ai fabriqué ça? Ah ouais! Oh, vous êtes récompensé à faire de l'artisanat par vous-même, là. Oh, Mazette, quand vous fabriquez vos propres potions, elles sont plus puissantes que celles que vous ramassez à droite à gauche. Alors ça, c'est pas mal. Waouh, c'est d'une richesse au niveau de l'inventaire, je sais même pas de quoi je peux me débarrasser.
Oh là 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 là. Je vais essayer de divaguer un peu. Je suis dans Vivec, je crois, dans le jeu, non? Empiler tous les objets. What? Attends, quitter le menu et bouger ses fesses. Il court mon perso ou quoi? Ah oui, il court. Tout le monde court naturellement dans le jeu. C'est normal. Tout le monde a le feu aux fesses. Non, c'est pas des secrétaires dont j'ai besoin, c'est d'un marchand. J'aimerais commercer, s'il vous plaît. Il y a des recoins cachés. Oh, on peut faire le vilain, on peut tout piller. On peut faire le vilain. C'est beau la ce qui pousse au mur. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ah, je suis à Balmora. Ah bah, je serais plus à mon aise à Balmora qu'à Vivec. Alors, j'aurais pas à avoir jusqu'à la prétention de dire que Balmora, que je connais comme au fond de ma poche. Nariu m'avait dit que je vous trouverais ici. Et elle avait bien raison. Eh ben, je vais te snobber, gros vilain. Je te parlerai un autre jour, na. Parce que je vais faire zéro quête aujourd'hui. Je fais juste de la gestion d'inventaire et puis... Je partirai vers les étoiles avec petit Cheb. C'est beau. Oh là 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 là. Alors, de redécouvrir Balmora de la deuxième ère, hein, qui est légèrement différente que l'ère que j'ai connue, je crois qu'il était la quatrième, enfin je vous en avais déjà parlé. Mais en plus de voir Balmora en haute définition, c'est waouh. Non, c'est... Ouais, c'est une propriété privée. Et normalement, en haut de cet escalier, il y a des boutiques. Enfin, dans la quatrième ère, normalement, bon, il y a la guilde des guerriers et des mages. Et il y a différentes boutiques, sauf que ça a l'air d'être différent, c'est trop troublant. Oui, il y a bien le temple, ça je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, est-ce un peu en contrebas? C'est pas strictement pareil, il y a des trucs qui vont... L'oratoire de Balmora, il va sauter, il va disparaître dans le futur. Un moment, la Moratong, je crois qu'elle est là. Et normalement, il y a une porte. Là, il n'y en a pas. On va y avoir des transformations. Ah, mais c'est une marchande, là, madame. Bonjour, madame Gungbecha. Vous savez, je suis né à Est-Marche. Je ne suis venu à Vardenfell qu'après la formation du pacte. Mais dès que j'aurai gagné assez d'or, je pars pour Orsinium. Toute une cité pleine d'orques. Vous imaginez? Oui, oui, j'imagine. Bon, c'est pas tout de... Hein? Enfin bon, bref, je suis déçu là. J'aurais aimé qu'elle me propose marchander, mais... Attends, l'auberge du Nechamo... Mais non, mais je m'en moque. Alors j'ai dit, certes on voit que j'ai une icône de d'une quête active, mais... Non, je vais reconnaître que d'une ère à une autre, c'est vrai que Balmora est pas mal changé. C'est surtout au niveau des commerces, c'est dommage. Mais... Ça pareil, dans le futur, ça saute. Normalement, là, c'est cassé et on peut prendre un chemin le long de la rivière.
C'est pas un parc fermé normalement. C'est ça qui est troublant. D'ailleurs, c'est tellement troublant que si tu t'amuses à aller au fond du décor, tu soupçonnes qu'il y a des choses planquées. Intermédiaire. Oh vache, je vais en baver. Ouais, bah ouais. Oh là là, j'en aurais fait que deux. Trois. Bon, c'est pas grave. J'aurais essayé, mais j'ai pas le niveau. Papapala. Je sais pas, je pense que j'ai... Très agité, la secondaire, hein. C'est des temps troubles. Ça va pas, non? Les gens se patatent entre eux. C'est horrible. Moi, je veux juste commercer. Attendez, on va aller voir la rive opposée. Ça me surprend qu'on puisse aller au niveau des quais. Alors cette maison est très importante dans le... La maison verrouillée est très importante dans le premier Morrowind. Parce que en fait c'est... Alors pardon, je vais peut-être vous divulgâcher du scénario du troisième opus de cette saga magnifique. Caius Kadesh, je crois qu'on appelle. C'est votre mentor dans la quête principale au niveau de l'ordre des lames. C'est-à-dire les espions et les gardiens de l'empereur. Et c'est à partir de cette baraque que la véritable aventure commence dans le 3. Ah là là. Que voulez-vous ? Moi, je veux marchander, moi, monsieur le conservateur. Qu'est-ce que tu m'écris, Funfan ? Oui, bah, ça dépend, ça arrive. L'essentiel, c'est qu'on se retrouve. Bon, j'ai déjà des critiques négatives à émettre sur le Tezo, hein. La première, c'est la disparition des marchands dans la seconde R. Ça, c'est un degré de liberté qu'il y avait dans les versions solo, qu'il n'y a pas dans la version en ligne, et... C'est trop contraignant pour que ce soit plaisant. Mais j'ai reçu un courriel où j'étais invité par le service contrôle qualité de Bethesda à donner mon avis sur le jeu. Si je devais leur répondre, je pense que le premier truc que je leur dirais, peut-être que je le ferais concrètement de leur répondre, je leur dirais, comparé aux versions hors ligne... L'absence de vendeur, c'est trop complexe. C'est assez frustrant. Oula. Elle fait des arts divinatoires, elle, ou quoi? C'est quoi son présentoir? On dirait presque des caractères d'imprimerie, presque Gutenberg. Bon, bizarre. Oh mon dieu! Cet ivrogne. J'ai même pas le droit de m'asseoir, c'est scandaleux. Voilà. La table des ivrognes. C'est nimp. Sympa la musique. La serveuse. Bon, bah magnifique, c'est la non-action. Non, c'est pas ça que je voulais.
Oui, non, les dialogues, je sais. Entrez, saoulez-vous, oubliez vos soucis. Je sais pas comment je peux faire pour... Attends, je me souviens que Torota m'avait enseigné que les trucs les plus récents ou importants étaient en haut en tête de colonne. Alors, potion de restauration, oui non, ça c'est pour quand je ferai de la bataille. Anneau du mage en étain. Oh là, il y a trop de trucs. Ah, petit Sepp qui est dans Starbound. On va se retrouver dans Starbound, c'est cool. Ouais, ben je vais arrêter ma session de Tezo. Pardon pour cette non-action. Mais bon, ça m'aura permis de faire un démarrage de direct en douceur. Que vous allez voir la violence que nous allons vivre avec petit Seb dans l'espace. Je dis ça parce qu'il veut partir en conquête de la troisième gemme. Enfin, il vous expliquera mieux que moi. Je pense que mon objectif raisonnable sera qu'à ma prochaine connexion, éventuellement que je complète les quêtes localement à Balmora, puisque je me trouve à Balmora, puis de retourner une énième fois à Vivec. Alors, c'est pas comme si c'était la capitale, donc on y fera souvent des allers-retours à Vivec. Je retrouverai mes établis de... Pardon. Mes établis de membres de la guilde des mages pour faire enchantement, potion et tout le schmilblick. Bon allez, pour le coup, je vais vraiment me déconnecter et puis je vais refaire le lien avec... Oui, dit Pierre Dame à couronne. Oui, oui. Bonjour le baron. Merci pour le petit coucou rapide. J'espère que ça va bien. Bon, bah c'est bien. Puis en même temps, j'aurais tenu à jour mon... Starbound.